Hey Nakama, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez vu là, petite nouvelle intro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, moi, je kiffe. Et là, c'est parti. Donc là, on va faire du Colisée. Donc je vais faire les trois d'un coup. On est chaud. Let's go. Donc voilà, on va commencer par Weeper. C'est parti. Donc là, niveau team, je vais doubler Nair. Donc la base. Vous allez voir, doubler Nair, c'est le principal. Après, vous pouvez mettre un peu qui vous voulez. Je vous conseille juste, si vous avez, comment dire, Jazz, c'est important de le mettre parce que ça va pouvoir vous servir, on va dire, à l'avant-dernier combat. Et le reste, vous mettez ceux avec qui, ceux qui ont plus d'attaque, tout simplement. Donc là, comme d'habitude, on va faire les tours, toujours les tours. Let's go. Donc là, Weeper, il est plutôt simple avec double nerf, parce que tout simplement, vous pouvez soigner à peu près 3000 de vie par tour. Donc vous allez voir, vous êtes plutôt là. Le seul combat chiant, c'est celui-ci. Ça prend du temps, on va dire, mais vous pouvez pas mourir. Concrètement, pour mourir, faut y aller, quoi. Ah, vous allez voir, ça prend vraiment du temps. Mais on va y arriver. On va y arriver tranquillement. Hop. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez un Jaws, à la limite, mettez-le pour le kiff, comme ça vous allez annuler une de ses attaques à lui en fait. Hop, allez, let's go, il va bientôt crever, on y croit. Ça, cette semaine, je sais plus où donner de la tête, il y a tellement de choses sur OPTC, sincèrement. Il y a eu Freezer qui est arrivé, après on a eu Zephyr, au taquet les gens, au taquet. Après l'alcoolisé qui est arrivé, j'ai même pas encore fait les nouvelles. Comment dire? Les nouvelles îles sur l'île bonus, je sais plus ce que c'est en plus, mais j'ai pas encore commencé donc il va falloir que je me grouille un petit peu. Allez, donc là on arrive à Weeper, let's go! Donc là il n'y a rien de particulier avec lui, il n'y a pas besoin de se méfier ou quoi, faut juste bourriner les amis, let's go! Et là j'ai. Moi j'ai mis Touch dans mon équipe parce que je l'avais donc. En fait, le spécial de Touch est pas mal du tout quand vous avez une équipe bleue. Hop, vous le lancez, et en fait pendant 3 tours, vous avez plus de chances tout simplement d'avoir des orbes bleus pour toute la team. Donc quand c'est une team full QCK, c'est ça, en fait vous allez avoir quasiment toutes les orbes. Donc pouvoir taper très très fort. Donc regardez là, j'en ai eu 4 par exemple. C'est plutôt pas mal. Hop, on va mettre le spécial de NR. Donc je crois qu'il double l'attaque des bleus tout simplement pendant un tour, mais vous enlève toute la HP. Donc ça, faites-le vraiment au dernier tour. Hop, sachant que. Comment dire, Weeper revit, il se met 143 000 de vie comme on a pu le voir, il vous tape du 3000, donc il faut juste prévoir, hop, et là 140 000 ça passe easy. Bon, même si vous n'avez pas la visibilité, franchement les amis, doigt dans le nez comme ça direct. Donc là hop, en plus première fois que je l'avais fait Weeper. Donc là on va passer à Hawkins. Hawkins, je crois que j'ai fait une team free to play, ouais c'est ça. Donc là, je suis parti sur du double Mihawk. Ensuite, Arlong pour bourrer Hawkins. Doflamingo pour booster les orbes, comme d'hab. J'ai mis Zoro parce que Zoro, il va me servir à rien. De toute façon, il va être lien pendant 99 tours. Très important, le personnage que vous mettez en bas à gauche, il faut savoir qu'il sera mort. Vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, mettez un personnage dont vous n'avez pas besoin. Et après, vous saute marteau. Hop, donc là, comme d'hab, on fait les tours. Toujours les tours. Allez. Donc là, on va garder la tortue. Petite tortue. Hop, donc ça. Ça dégage, c'est parti. Donc ouais, juste avant en fait Hawkins, il y aura Sanji. Et dès qu'on va arriver, Sanji va nous lier tous nos. Juste le lien. Comment dire? Il va nous lier Zoro, voilà. En bas à gauche pendant 99 tours. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, mettez un personnage dont vous n'avez pas besoin. Mettez pas genre Doflamingo en bas à gauche, sachant que vous allez avoir besoin de son spécial. Ah donc sinon après il n'y a pas trop de difficultés. Essayez aussi d'avoir résistance tien level 2, je sais que c'est pas toujours évident. Et regardez là, Sanji m'a fait un lien aléatoire et j'étais tranquille. Attention, attention. là, on va dire pendant les 2 premiers tours, en fait, Hawkins, il lance une attaque. Et il ne faut pas faire beaucoup de dégâts. Donc lancez pas les spéciaux de Mihawk tout de suite. Parce que tout simplement, voilà, il vous renvoie des dommages. Donc si vous lancez les 2 spéciaux de Mihawk, ça fait moins 60% de vie, vous allez prendre très très cher. Donc ça, c'est pour ça, vous attendez les 2 premiers tours, vous essayez à la limite d'avoir les bonnes orbes. Hop, une fois qu'il vous renvoie les dégâts. Là, vous mettez les 2 spéciaux de Mio, vous mettez Usopp, et là, on booste les orbes, et c'est parti. Donc là, je crois que je ne vais pas le one shot directement, non, voilà. Mais bon, après, vous avez encore 2 tours là pour buter. C'est plutôt tranquille. J'aurais pensé qu'il aurait été le plus dur, parce qu'il est plutôt pas mal en plus à débloquer Hawkins. Je crois que je vais le monter. Sachant que sa Captain Ability, pardon, ça augmente 2 classes x 1,75. Et après, je crois qu'il double les dégâts que vous avez fait ou que vous avez subi, je ne sais pas exactement. Donc, il va falloir que je teste ça. Ça peut être pas mal. Et là, on passe au dernier. Donc, ça, c'est Mister Seven, je crois, quelque chose comme ça. C'est Claire Grenouille, toute pourrie.
Eh ben, on dirait pas comme ça, mais celui-là, j'ai galéré un petit peu quand même. Hop, j'aurais pensé qu'il aurait été tout pourri. Donc voilà. Lui, je vais faire. Non, pas celui-ci. Donc là, celui-ci, je vais faire tous mes tours en fait. Je vais en laisser un seul. Et comme cette team énerve, bah, je peux faire tous mes tours dessus. Hop, donc là, c'est celui-ci que je vais laisser. Et donc, je vais vous le couper pour éviter d'attendre 8 ans. Hop, donc là, c'est parti. J'ai dû faire une quinzaine de tours dessus, je pense. Et j'attaque tout le temps avec Usopp. Comme ça, il prend aucun dommage. Donc, vous pouvez faire vraiment tous vos tours dessus. Donc là, comme ça, on se prépare pour la fin. Allez, let's go. Encore une petite tortue. On va faire les derniers tours qui nous manquent, ça serait dommage. Après, on va arriver sur Miss Monday. Donc, Miss Monday, il faut savoir qu'elle tape quand même assez fort. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la one shot, on va dire bah, de la tuer avant qu'elle vous attaque, mettez Usopp marteau. De toute façon, après, c'est plutôt tranquille. Hop, donc là, c'est parti. Donc, là, par exemple, j'aurais même pas eu besoin de mettre Usopp. Mais bon, on le met pour la sécurité, on sait jamais. Donc, là. On arrive à Mister Seven ou je sais pas quoi, là, Crazy Frog, on s'en bat les couilles. Donc là, moi j'ai 1000 Sunny donc je le mets. Mais sinon, c'est pas nécessaire en fait. Avec la team que vous avez, vous pouvez le buter tranquillement. Donc là c'est parti. Ça va être super long par contre. Allez, let's go. Donc il tape pas super fort, mais c'est plutôt galère. Hop. Parce qu'en fait, voilà. Le truc un peu casse-couille en fait. Là, j'ai mis des personnages où je connais pas forcément le timing pour faire des perfects. Donc, je prends pas le risque. Je fais tout simplement, je clique et je fais pas le timing. Donc, comme ça, je fais que des fails, mais je me prends pas les bombes dans la gueule. Hop, donc comme ça m'évite de prendre. Je sais plus combien ça tape les bombes, mais je crois que ça vous nique pas mal de vie. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, je fais des ratés. Sachant qu'on a team NR, donc ça risque presque rien. Hop, donc là, vous avez vu, j'ai mis Thatch encore. Franchement, il est vraiment pas mal dans une team bleue, Thatch. Je vous le conseille. Allez, let's go. Alors, encore les bombes. Et en plus, c'est chiant parce qu'il vous verrouille les bombes pour un tour encore supplémentaire. Donc, c'est plutôt casse-couille. Hop, allez. Donc, on perd du temps à faire ça. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver tranquillement. On va pas s'énerver. Allez, let's go. Donc, certes, vous faites pas beaucoup de dommages. Mais après, voilà, il y a Ener. Il vous soigne de 3000 par tour. Vous êtes plutôt tranquillou. Donc, là, j'ai récupéré Usopp. Bah, je le mets tout simplement. On se prend pas la tête. Allez. Alors. On arrive à la fin. Ça sent bon tout ça. Alors. Donc là, je pense que dans le prochain Colisée, ça devrait être Kid. Si je dis pas de bêtises. Sachant que lui, il est super kiffant. Déjà, il est stylé. Et je crois que son spécial est pas mal. Donc on va farmer tout ça. On va farmer tout ça. Voilà, donc prochain tour, c'est la mort. Let's go. Allez, crève! C'est vrai que c'est. À l'avantage de Team Ener, en fait, c'est qu'on meurt presque jamais, mais c'est super long les combats. Donc, après, certes, il y a d'autres teams, mais j'ai mis une team où c'est plutôt safe, on va dire. Donc, voilà, Nakama, la petite vidéo sur le Colisée est terminée. Donc, nous, on est des fous, on fait les trois d'un coup. Je pense que vous allez pouvoir y arriver assez facilement. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle intro. Ça me ferait plaisir, parce que j'y ai passé un petit peu de temps, on va dire. Et voilà, donc c'est tout pour moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Ener, c'est vraiment tranquille. Donc là on va essayer d'avoir des bonnes orbes pour justement pouvoir utiliser le spécial de deux flamingos.